Bon, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal Créole nous, mes différents points qui ont dominé l'actualité. C'est une manifestation pour dénoncer les résultats partiels de l'élection présidentielle 25 octobre. On va poursuivre jeudi dans la rue Port-au-Prince sur l'initiative Parti politique La Paix. Dans le même sens, le Parti Famille Lavalas a annoncé deux journées de manifestation pour jeudi et vendredi qui viennent là, toujours dans le même objectif. Le gouvernement ici à travers MSPP a signé un protocole d'entente jeudi avec deux firmes locales et internationales. Film Sayo a réalisé une enquête sur santé dans le pays sur 5 dernières années dans 4 plans EMU6. Enquête ça a commencé dans le mois de décembre Cap Vinila. C'est sous thème Li pour libérer, 3e édition Foire internationale Livlan lancée jeudi dans Port-au-Prince. Activité ça a déroulé sorti 11 pour arriver 13 décembre Cap Vinila. Une initiative à ministère culture dans tête collée avec direction nationale Livre. Environ 200 écoles pour participer dans le championnat interscolaire pour l'année académique 2015-2016. Le ministère Jeunesse, Sport et Action Civique fait lancement jeudi. Objectif là, c'est réveiller les jeunes en pile intérêt pour sport en cours, football, volleyball et basketball. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement journal. Retenez-moi ce signal. Tous les samedis. À 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Tourné après pause pour développement journal là merci d'être resté branché n'a pas avec dossier élection en dans journal là soya plusieurs monde manifesté jeudi dans la rue Port-au-Prince pour dénoncer résultat préliminaire élection présidentielle 25 octobre passé et puis exiger des par membres KIPO Wesley Antoine avec Ephésien Mathieu te suivent pas couyo y a permettre nous vivre qui je ça te Plusieurs militants prennent la rue jeudi mercredi pour demander départ au conseil électoral provisoire, pour demander tout mettre dehors candidat pour poste président en Babanière, PHTK, Jovenel Moïse, dehors dans la course électorale. C'est la principale revendication. Plusieurs militants qui ont organisé manifestation ça jeudi, qui ont coordonné par MONOP, qui c'est le mouvement national de l'organisation du pays. Comme nous connaissons avant chaque manifestation, toujours une cérémonie qui fait avec du feu. Eh bien, cérémonie sans fait saute fait sous bel air, côté que avant yo commencé manifestation, yo livré du feu, yo fait tour du feu, yo viré tout autour de du feu. Donc manifestation lui-même li fait lagué, yo annoncé que yo pral passer dans diverses rues dans la capitale là pour mander Jean Chaudil là mettez Jovenel Moïse dehors et puis départ conseil électoral provisoire. Faut que nous soulignions tout qu'il y a plusieurs étudiants dans la faculté, dans l'université de l'État qui présent dans la manifestation ça qu'a fait journée jeudi. Nous parlons entendre le coordonnateur Monoplan André Fado avec quelques militants qui t'a réagi dans le micro nous. Pour eux-mêmes ils disent que pour avoir résultat, faut qu'on commission d'enquête et puis faut qu'on une commission d'enquête indépendante et puis faut qu'ils aient récolté et mais nous-mêmes comme organisation politique qui t'a soutenu ensemble candidat ça. Jodi a nous-mêmes nous décider pour nous prendre la rue. Comme nèg yo, chaque bagage qui fait, ou aller dans contestation, yo pas son bêtise. Tout sauf yo pas son bêtise. Gardez 9 août, on bon candidat aller dans contestation, qui ça yo fait yo? Qui ça yo fait yo? Yo pas même temps de yo même, eh bien, yo pas résultat yo vle. Jodi a tout ensemble parti politique sérieux yo, yo pas fait au pour confiance, yo pas fait BCN confiance, yo dit yo pas contester parce que yo pas reconnaître résultat. Et mais toute contestation que pour nous faire ça à travers béton, ça à travers la rue. C'est ça que expliquer Jodi a une autre fois, nous dans la rue mais kounya bagala lui même augmenté, nous exiger des départ au pont. Parce que jodi a peuple haïtien, parti politique au pont t'a fait élection pour eux, yo dit yo pas fait au pont confiance. Deuxième fois, c'est Matéli avec Jovenel. Mais c'est pas juste avec Jovenel. Parce que Jovenel pas gagné élection. Jovenel, c'est pas de l'avenir pour lui. Quelqu'un qui s'est sérieux, il va dire pour la deuxième fois avec Jovenel. Nous votons Jean-Louis Seyon, nous votons Jude, nous votons Jean-Charles, nous votons Marise et Jean-Baptiste. Pas gagné banane. Non, banane. Faut que nous disions, mesdames, messieurs, gagné candidat pour poste président Babanière, parti Famille Lavalas, la Marise Narcisse, qui présent jeudi en manifestation. Ça, l'État a réagi dans le micro. Nous avons invité à suivre la déclaration. C'est ça qui explique la présence aujourd'hui. Je viens d'accompagner le peuple haïtien
qui a dénoncé ce qui passé 9 août et 25 octobre. Il a demandé pour voter respecté, faut voter respecté. Coup d'état électoral pas passé. Nous venons à la contestation, mais qui ça? Coup d'état électoral pas passé. Oui, Jean-Charles. Famille Lavalas s'annonce deux journées manifestation pour demain jeudi et vendredi qui vient là. Manifestation ça y est entrée dans le cadre d'une série mobilisation parti Famille Lavalas pour forcer KIPN retourner sous résultat préliminaire élection présidentielle 25 octobre passé. D'après ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, résultat KIPN publié pas reflété votre population. Dit dans le micro Wesley Antoine et François Samus David. Mobilisation sans plein souffle, mobilisation manche longue pour nous river effacer résultat malhonnête ça que pouvoir tête calée du Valier Isla obligé utiliser côté pouvoir tête calée du Valier Isla obligé utiliser une machine répression systématique pour forcer population à valer pour lève ça. Nous t'es voté 54, bah nous vote nous. Nous t'ai voté Maryse Narcisse, bah nous Maryse. Oui, oui, oui. C'est deux journées de mobilisation. Jour 4 jeudi 12 novembre et vendredi 13 novembre, on a dit au pont avec Matéli, Koussa. Tout vote doit compter. Peuple a demandé pour respecter votre lit. C'est pour ça que nous cassons rendez-vous. Demain jeudi, devant Saint-Jean Bosco, 17 ans, nous allons aboutir faculté d'ethnologie pour nous tout faire solidarité avec les étudiants universitaires qui ont subi répression en bas à tout faire à Goloraï, que pour voir tête calée à la guerre dans la vie. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas obéir, nous ne pouvons pas faire bas, et nous allons faire. Deuxième sénateur Ouestlan Antonio, cher ami, Don Kato, qui est lié en Babanier Plateforme Vérité, salue aujourd'hui en population qui t'a voté là. Sénateur Elian promet pour le travail dans l'idée pour faire loi qui permet la vie couche qui pime mal dans la société améliorée. Don Kato, invité parlementaire par Elio, travaille dans l'intérêt de la population. Dites dans le micro, Wendy Henry. Vrai force son pays, c'est parlement. Sinon, mon parlement, côté monde, c'est boissé, à boissé là-dedans. C'est normal pour nous un pays qui pas chita sur rien. Mais si nous un pays qui a un parlement qui fort, un parlement qui jam, côté gain de parlementaires qui viennent défendre l'intérêt monde qui voyait yo, c'est normal je dis hein, nous ka un pays qui fort. Et me pense vrai force là c'est parlement, mais inviter tout parlementaire qui est élu ensemble avec yo, ni dans chambre basse là, ni dans chambre haute là, pour mettre tête ensemble pour capable faire sentir que exécutif là pour nous collaborer avec mais pas pour le marcher sous nous collaborer avec dans sens côté les budgets en fait nous ca défendre intérêt département nous ca défendre intérêt commune nous là-dedans mais c'est pas intérêt poche nous bon je dis à une bataille que moi même pas mener c'est bataille pour nous qui gens nous ca renforcer institution yo mais nous gain des secteurs que nous intéressés à par exemple mon cap travail dans l'état yo. Nous avons pas le gourmet parce que nous trouvons il va normal pour mon employé l'État pour la faire 7 mois va toucher. Bon je dis à un sénateur qui va chercher qu'on ait raison de faire ou pas toucher à l'heure. Nous avons des gens qui travaillent avec mon yo traité des bonnes yo. Et je pense que nous avons la bataille pour nous qui j'en nous faire ou bénéficier un petit cap de santé, le patron d'envoyer aller parce que vous malade pour vous mourir la caille. Coordonnateur plateforme politique Vérité continue à dénoncer KIPN qui d'après lui pas crédible. Toutefois, Génard Joseph salue victoire Antonio Cherami Don Kato comme sénateur l'Ouest. Malgré le quoi, il y a une manœuvre qui fait pour empêcher plateforme de gagner des sénateurs pour le département l'Ouest. Coordonnateur plateforme politique Vérité dénonce tout Zach violence, lui dit partisan absibi dans quelques régions dans le pays. Il était dans le micro, Wendy Henry. Personne ne peut en mesure pour être capable d'expliquer
comment vous mettez procès verbal en quarantaine. Pour qu'il s'agit tel procès verbal, vous n'avez pas contrôlé. Mais tout le monde est capable de comprendre dans quelle grosse difficulté que la plateforme vérité est aujourd'hui. Là, vous êtes obligé d'utiliser une mauvaise méthode de calcul qui ne répond à aucun théorème mathématique, qui ne répond à aucune raison pour te courir passer le même point. Premier sénateur, l'autre sénateur de l'Ouest, en façon plateforme vérité, pas de bien deux sénateurs dans le département de l'Ouest. Votre peuple a fait le 25 octobre, il déshabille tout le monde qui a monté machine pour faire ma grouille, pour te mettre utiliser faux calculs pour que plateforme vérité pas lever aujourd'hui avec deux sénateurs. Aujourd'hui, je me sens que nous sommes fiers dans la coordination. Aujourd'hui, je suis là. À côté, un sénateur qui est même déjà parti pour la respecter éthique politique, pour la respecter morale publique, pour la respecter la loi, m'assurer qu'il est pour bien contrôler le gouvernement. On rappelle, dans une note qui a été mise dehors après l'élection 9 d'août passé, la plateforme politique Vérité a annoncé les retirer col dans le processus électoral là, à cause qu'il n'est pas crédible, mais ça n'a pas empêché les dirigeants stricti politiques de fêter la victoire candidat. L'autre effort, le gouvernement haïtien à travers MSPP signe un protocole entente jeudi avec deux firmes locales et puis internationales. Deux firmes ça y ont mission réalisé une enquête sur santé dans pays pendant 5 dernières années ça y dans quatre plans EMUS 6 ans qui gain pour avec plusieurs points dans affaire la santé. Enquête là a démarré dans mois de décembre qui venir là et puis rapport a doué paré en 2016 d'après ministre santé Florence Duperval Guillaume qui était dans micro Ludmia Mork à qui vont Seyid. Donc d'ici 2016, tout le monde a connu qui ça nous a fait durant ces 5 dernières années et qui résultat nous bail négatif ou positif qui pour permettre nous améliorer intervention pour les 5 prochaines années. Dans l'enquête là, données que yo prend pas oublier nous dit ces données en matière de santé. Donc gain données sous ti moun, gain données sous femme, gain données sous garçon et gain données sous la famille en général. Enquête là supposée commencer à partir de décembre. Et montant c'est environ 6.8 millions de dollars qui gain là dans les contributions au gouvernement américain, particulièrement l'USAID pour 3.5 millions de dollars. Les gain contributions de la Banque mondiale à travers PASMICI pour 490 000 dollars, les gains contributions UNICEF pour 300 000 dollars, les gains contributions UNFPA pour 200 000 dollars, les gains contributions OPS-OMS pour 200 000 dollars et les contributions l'État haïtien. Ministre environnement Dominique Pierre installé jeudi en trois directeurs techniques dans le ministère. Evans Louis directeur cadre vie et assainissement, Michel Louis directeur agence nationale avec Emmanuel Philippe Joseph directeur forêt. Dans discours, ministre l'a félicité trois jeunes sa yo pendant le recommandé yo pour yo travail avec en pile professionnalisme, yon manière pour bien remplir mission yo. Yon extrait dans micro Pierre l'unique revanche avec Max Joseph. Vos soucis à tous doivent être la quête de l'excellence dans la qualité de vos services et dans l'accomplissement de vos tâches. C'est la raison essentielle qui a présidé du concours organisé pour le recrutement des directeurs techniques qui faisaient défaut à notre effectif. La présence de ces trois lauréat de ce concours de recrutement dont j'ai la satisfaction de procéder à leur installation ce matin, met fin à cet absurde épisode, cette précarité dans le fonctionnement des services dont ils vont respectivement chacun assumer la responsabilité. Le jury est partiellement délibéré. Votre savoir-faire, messieurs les directeurs techniques, fera votre apologie
et témoignera de votre capacité de diriger à la satisfaction de l'État, donc de tous. Nous restons convaincus que vous vous montrerez à la hauteur de la confiance que nous plaçons en vous. Faut que nous dit c'est sous concours ministère environnement est arrivé sélectionner trois jeunes ayo trois lauréats promettent pour travailler dans tête collée avec tout employé yo dans l'idée pour lever gros défi dégradation environnement représenté pour avenir pays d'Haïti. Je tiens dans micro Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. Le travail à réaliser est de titanesque et pour permettre à la nappe de bouger, cinq grands axes d'intervention, bien entendu susceptibles d'être visés, seront privilégiés pour les deux prochaines années. Il s'agit de renforcement de la gouvernance, la consolidation du système national d'air protégé terrestre et évolution vers un système national d'air protégé marin. Le renforcement de la coopération intersectorielle avec les partenaires nationaux et internationaux, le développement de programmes d'information, d'éducation et de communication et le renforcement des capacités au niveau des aires protégées. La direction des forêts du MDE aura donc un rôle prépondérant à jouer dans un avenir proche pour permettre à Haïti de rattraper son retard par rapport aux autres pays de la région. La tâche n'est pas au-dessus de nos moyens, mais nous devons nous y mettre sans délai. Et c'est à juste titre que le MDE a fait le choix d'une ressource à plein temps pour l'aider dans le suivi de la mise en œuvre de ces différents programmes. Comptez sur mon professionnalisme, mon savoir-faire et mon enthousiasme pour mener à terme ce mandat. En collaboration avec les ressources humaines de la direction, ainsi qu'avec l'appui de l'équipe managériale du ministère, je vais mettre donc mes compétences et savoir-faire au profit du pays, afin que ces problèmes puissent trouver des solutions appropriées dans une logique raisonnée, soutenable et durable. L'autre info, le ministère Kilti, en tête collée avec la direction nationale libre, lance jeudi la troisième édition Foire internationale libre, qui a organisé sorti 11 pour arriver 13 décembre, qui a venu là, sous champ de Mars, place Pétion. Li pour libérer, c'est un qui kembe pour troisième édition Foire ça. Ministre Kilti, dit ni Joanne Raton, dans lancement, promet pour toujours appuyer l'activité ça. Li invite Genio, vin participer dans l'activité ça. Li te nan micro, Ludmilla Mark, avec Jasmine Leni. On a invité tout le monde à venir participer dans une chaîne d'activité ça qui une fois de plus après une grande pile d'ampleur il y a une grande pile d'activité côté que tout le monde ou grand monde pour aller venir regarder pour aller acheter pour aller venir participer avec livre que auteur préféré donc c'est important pour nous mettre en valeur lecture là nous connaissons que thème année ça c'est lire pour se libérer donc pas oublier tout que les appli il permet nous libérer il permet nous découvrir il permet nous gagner plus connaissance donc on a invité tout le monde tout le monde grand monde continuer lire n'importe livre là faut qu'on lire mais parce que livre permet de gagner plus connaissance il permet d'améliorer idée ou partager penser ou et la trier. Donc nous-mêmes, dans le ministère de la Culture, nous contribuons, nous appuyons l'édition ça comme à l'accoutumée, parce que chaque année, nous avons le ministère de la Culture à travers la Direction nationale du livre-là, nous voyons bien haut, ça nous a brûlé l'importance pour nous lire. 15 millions de gouttes, c'est la quantité d'argent qui est disponible pour organiser la troisième édition Foire internationale Livlan, d'après Franz Carly Jean-Michel, directeur national Livlan. Invité d'honneur, Foire ça, c'est écrivain Yannick Lahens. Activité ça a bien pour dérouler tout dans quelques autres villes, provinces, d'après Franz Carly Jean-Michel, qui était dans le micro, Ludmilla Mark et Jasmine Denis. Et Anissa, invité d'honneur là, c'est Yannick Lahens, qui nous connaît, qui a remporté prix féminin 2014 pour roman Ben de Luna et qui écrit l'autre livre comme Couleur de l'aube et la, dans la maison du père. Eh bien, activité yo a commencé depuis le 6 décembre dans Clac yo. Anissa nous sélectionné 10 Clac, contrairement à l'année côté c'est 5 Clac qui étaient participé dans l'activité. Mais Anissa nous a ajouté 5 autres sur yo. Côté nous voulait que et plus monde gagne chance dans province dans participer dans l'événement et y a gagné toute possibilité pour acheter livre tout parce que Anissa nous voulait que monde dans province gagne chance pour yo acheter livre qui intéressé yo.
Et en plus de ça, nous avons plusieurs sites côté activité à dérouler. Par exemple, nous avons Focal, nous avons Institut français, nous avons ministère de la culture, qui a une activité Bureau national de technologie, nous avons Centre PEN, dans DNL là tout. Et d'autres endroits à côté, nous avons pour nous réaliser des projection de documentaires, des conférences, d'expositions, etc. Nous avons un budget qui est estimé à 15 millions de gouttes et nous avons un fonds propre pour nous déjà disposé de 6 millions de gouttes et le ministère de la Culture a donné 1 million pour nous ajouter à 6 millions de ça. Donc au départ, nous avons la moitié du budget pour nous réaliser l'activité ça et nous avons l'autre partenaire pour nous dire nous à quel niveau que nous avons contribué pour que nous réaliser différentes activités que nous prévoyons pour FILA. Ministère Jeunesse, Sport et Action Civique lance journée jeudi en championnat interscolaire pour l'année académique 2015-2016. La compétition ça qui a rassemblé plus passé 200 écoles voulait réveiller les jeunes en pile intérêt pour sport en cours, football, volleyball, basketball. Plus passé 70 millions de gouttes déjà disponibles pour organisation compétition ça d'après le ministre Sport Jimmy Albert. En suite déclaration dans le micro Pierre Luny Provenge et Max Joseph. Jusqu'à matin, parce qu'il me demandait de camper inscription yo, depuis début de semaine, nous sommes à 160, mais il y a 10 autres qui tellement insisté que bon, on va être obligé de garder qui considération capable de faire. Donc si on a intégré ça qui m'a dit pour y rentrer dans le championnat matin, les 10 qui ont sollicité, ça va faire passer à 170 écoles pour le département de l'Ouest seulement. Parce que c'est même engouement que n'a pas enregistré tout dans les villes de province, c'est-à-dire au niveau des autres départements. Je sais très certainement c'est permettre que jeunes qui ont un talent pour ça, eh bien, nous arrivions à identifier eux dans l'école. Parce que normalement, gens, ça a fait longtemps, eh bien, il y a un paquet de joueurs de renom, de grand calibre, que Haïti te connaît, qui te connaît jouer pour Haïti, que ce soit en football, en volleyball, en basketball ou autre, eh bien c'est à l'intérieur de l'école qui est sorti. Donc le championnat interscolaire pour le permettre justement eh bien, que nous dépister les talents qui sont dans l'école, accompagner et permettre vraiment que, avec l'encadrement qu'ils sont capables de joindre, pour venir tourner de véritables athlètes qui peut-être demain pour aller jouer pour le pays et aider nous à replacer Haïti dans le concert Gros Nation qui compte faire sport. J'ai entendu longtemps. Kounyela a fait place à Aslen Sejour pour page météorologique journal 630 à Soya. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour Asoya. Qui est la situation synoptique là dans Caraïbes là et sous Atlantique là. Nous avons l'air relativement humide qui vient suite après un tropical qui localise dans le pays Jamaïque avec un creux de surface qui retrouve dans la partie nord pays Porto Rico. C'est pas la même chose qui influence les conditions météorologiques région Caraïbes là pour jeudi. Asoya pire au degré température noire monté c'est 27 degrés et puis balap descend c'est 18 degrés. Kounya n'a quitté pays Pan pour regarder qui j'ai condition météorologie à Enan pays Bahamas. Hier nous t'ai parlé de tempête tropicale Kate qui était stade tempête tropicale, il passé dans stade ouragan de catégorie 1. Il est possible pour ouragan Kate il frapper plusieurs villes qui proches pays Bahamas. N'a quitté pays Bahamas pour venir regarder qui j'ai condition météorologie à Enan pays Pan. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 21 degrés. La fait bon. N'a gagné un ciel nuageux. Il est probable pour nous gagner l'appui avec l'orage dans plusieurs zones en dehors de Port-au-Prince. Nous avons un vent calme qui a pris direction l'est avec une vitesse 7 km/h. Au Cap-Haïtien, température est à 24 degrés. La fait frais. Nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons une légère brise qui a pris direction l'est-sud-est avec une vitesse 9 km/h. Au Cap, température est à 27 degrés. La fait moins bon, n'a bien un ciel éclairci très chaud et humide, n'a bien une jolie brise cap direction l'est avec une vitesse 26 km/h. Jacques Mel, température là 23 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel nuageux, il est probable pour nous gagner l'appui avec l'orage dans plusieurs zones en dans Jacques Mel, n'a bien une légère brise cap direction nord-est avec une vitesse 6 km/h. Jérémy, température là 25 degrés. La fait moins bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. On a une légère brise qui a pris direction l'est-nord-est avec une vitesse 9 km/h. Gonaïve, température là 22 degrés. La fait bon, on a un ciel nuageux. On a une légère brise qui a pris direction l'est-nord-est avec une vitesse 7 km/h. Fort Liberté, température là 19 degrés. La fait très bon, n'a un ciel nuageux. N'a un vent calme qui a pris direction sud-ouest avec une vitesse 6 km/h.
Et la température là 18 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Les probables pour gagner l'orage, nous avons une très légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 4 km/h. Port de paix, température là 26 degrés. La fait moins bon. Nous avons un ciel éclairci très chaud et humide. Nous avons une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 17 km/h. Miragouane, température là 24 degrés. La fait frais, n'a pas un ciel peu nuageux. N'a pas une légère brise qui a pris direction l'est avec une vitesse 6 km/h. N'a pas dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que hauteur vague à 3 à 5 pieds. Ça veut dire qu'il y a un peu agité. N'a pas dit qu'il y a prudent quand même. Et n'a pas dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que 20 secteur est la li 20 à 25 nœuds. Ça veut dire qu'il y a un peu agité, notamment au loge. N'a pas dit qu'il y a prendre en pile précaution. Matin, soleil a levé à 5h55, les couchés à 5h13. Ça qui fait que nous avons gagné 558 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous avons même quantité de minutes d'ensoleillement, même j'ailleurs, parce que c'est ailleurs, c'était 558 minutes. Le proverbe du jour, grenègue, c'est l'État. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi, mercredi 11 novembre 2015. Nous souhaitons déjà une excellente soirée sur Télé-Signal. Merci ou même tous l'en, c'est la journal arrivé dans Boutli avant d'aller rappel titre. C'est une manifestation pour dénoncer résultat partiel élection présidentielle 25 octobre qui ira poursuivre jeudi dans l'aéroport Port-au-Prince sous initiative Parti politique La Paix. Dans le même sens ça, Parti Famille Lavalas a annoncé deux journées manifestation pour jeudi avec vendredi qui a venu là, toujours dans le même objectif là. Le gouvernement haïtien à travers MSPP signé un protocole entente jeudi avec deux firmes locales et puis internationales. Fim Sayo a réalisé une enquête sur santé dans le pays sous 5 dernières années dans 4 plans et MU 6 ans. Enquête ça a commencé dans le mois de décembre, Cap Vinila. C'est sous thème Li pour libérer, 3e édition froid international Livlan lancée jeudi en Port-au-Prince. Activité ça a déroulé sorti 11 pour arriver 13 décembre, Cap Vinila. Une initiative ministère culture dans tête collée avec direction nationale. Environ 200 écoles pour participer dans le championnat interscolaire pour l'année académique 2015-2016. Le ministère Jeunesse, Sport et Action Civique fait lancement jeudi. Objectif là, c'est réveiller les jeunes en pile intérêt pour le sport comme football, volleyball et basketball. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole. C'était le signal. Il était branché téléphone.